Eh bien bonjour à tous, c'est Alan Crouvisier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce lundi 12 février 2024 pour ce nouveau bulletin neige qui est sponsorisé par Pierre et Vacances. Alors ça y est, la neige est enfin revenue dans nos domaines skiables en quantité hétérogène, mais c'est sur les Alpes du Sud qu'on a mesuré les cumuls les plus conséquents, comme ici du côté de Risoul dans le massif du Queyras plus exactement dans le département des Hautes-Alpes. Alors justement, on va faire un point enneigement massif par massif. On relevait donc ce dimanche 11 février 2024 30 cm de neige en bas des pistes de Peyragudes dans les Pyrénées, avec des chutes de neige qui ont donc été généralement conséquentes sur l'ensemble de la chaîne, et notamment sur l'ouest du massif. Entre le Jura et le massif central, on observait parfois un tapis blanc ce dimanche matin dans les domaines skiables, mais il faut tout de même garder à l'esprit qu'il s'agit majoritairement de neige artificielle sur les pistes de ski ouvertes sur ces deux massifs précités, comme c'est d'ailleurs également le cas sur le massif vosgien. Sur les Alpes du Sud, on relevait 48 cm de neige en bas des pistes de Vars, et enfin sur les Alpes du Nord, là le passage perturbé a apporté quelques centimètres de neige supplémentaires dans les stations. On relevait donc 1,12 m de neige en bas des pistes de Courchevel. Alors maintenant, côté synoptique, ce qui va se passer au cours de ces prochains jours, c'est que nous serons à nouveau sous l'influence d'un flux océanique de sud-ouest faiblement humide, ce qui veut dire que la douceur sera malheureusement de plus en plus vive dans nos domaines skiables. Avec en milieu de semaine, on attend des températures totalement anormales pour la période entre plus 12 et plus 15 degrés à 850 hectopascals, c'est environ 1400 mètres à l'air libre. Dans le détail, ce lundi, on aura encore quelques flocons entre les massifs de l'Est, le massif central et notamment la chaîne pyrénéenne, mais le redout d'altitude va se mettre en place sur le massif, ce qui veut dire que la limite plus neige se situera vers 1800-1900 mètres. On attend donc 2 à 5 cm de neige supplémentaire sur la chaîne au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Mardi, le ciel s'enliagera par l'ouest en marge d'une perturbation peu active qui sera effective en soirée et nuit suivante. Elle apportera quelques gouttes à toute altitude entre le massif central, le Jura et les Vosges. Sur les Alpes du Nord, la limite plus neige sera orientée à la hausse. Et enfin, sur les Pyrénées et les Alpes du Sud, là, le temps devrait rester sec. Mercredi, une amélioration se dessinera par le sud. On aura toutefois un ciel légèrement voilé dans nos domaines skiables. Et enfin, la grisaille résiduelle se disloquera totalement en cours de journée entre les Vosges et le Jura. Jeudi, on aura donc ce pic de douceur à l'avant d'un talweg dépressionnaire. La perturbation associée touchera nos massifs vendredi et samedi, mais la limite plus neige sera relativement élevée pour la période, avant une amélioration qui sera possiblement généralisée dimanche. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve donc jeudi pour un nouveau bulletin sur les six massifs français.